Irée Smittenaer, témoin d'un terrible incendie, se confie sur le drame. Alors qu'il séjournait à Dubaï, Irée Smittenaer et Diego Elglaoui ont été réveillés par les flammes d'un bâtiment situé juste en face du leur, la Tour Almeé. Sur Instagram, le couple qui prépare activement son mariage a partagé des images impressionnantes du feu embrasant la quasi-totalité des 35 étages de l'immeuble. En ouvrant les rideaux, nous avons vu le chaos, le cœur qui s'accélère, et le sentiment que tout peut basculer, a confié le fiancé de l'ancienne Miss à ses abonnés. Et de préciser, toutes les images que je vous partage ont été filmées après avoir mis Iris en sécurité. Nous sommes sortis en 10 secondes après avoir vu l'incendie en enfilant simplement un jean et un t-shirt. Nous sommes même les premiers à être sortis dans la rue et avons déclenché l'alarme à incendie afin d'être certains que tous nos voisins évacuent également. De son côté, celle qui a récemment perdu sa grand-mère a tenu à rassurer ses fans. Merci pour vos messages, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en sécurité loin de l'immeuble. Nous étions au meeting point en attendant les instructions et sommes à présent partis. J'espère que tout le monde va bien, a-t-elle écrit. Quelques heures plus tard, elle s'est de nouveau exprimée sur ce terrible incendie en indiquant qu'il y avait eu plus de peur que de mal. Tout va bien pour nous et pour l'ensemble des habitants de l'immeuble concerné par l'incendie. Je ne connais pas encore la cause du feu, mais le plus important est de savoir qu'il n'y a eu aucune victime. Que tout le monde va bien et a pu évacuer l'immeuble en sécurité. Les autorités ont pu intervenir, contenir le feu et sécuriser le périmètre. Everyone is safe, a-t-elle rapporté avant de remercier les pompiers. Une nuit dont Miss France 2016 se souviendra longtemps.